Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un effet de Daniel Rod. Pour ceux qui connaissent pas Daniel Rod, c'est un très grand magicien, en particulier dans la cartomagie, car il a sorti de nombreux DVD, de livres aussi. Aujourd'hui, je vous ai choisi un effet qui s'appelle Technicolor. C'est simplement avec 4 cartes. À tout de suite. Il arrive très souvent que lorsqu'on l'on fait un spectacle, en rentrant chez nous, que nous fassions l'inventaire de notre matériel. C'est ce qui m'est arrivé une fois. En voulant rencontrer mes cartes, figurez-vous, il s'est passé quelque chose de très très étrange. Pas à première vue, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et j'ai voulu revérifier mes cartes. Et en revérifiant, regardez, une carte était apparue face en l'air. Croyant avoir fait une erreur, je recompta mes cartes. Et une deuxième apparut. Un peu stupéfait quand même, j'ai voulu aller un peu plus loin. Je recommence ça, et là c'était une troisième carte qui était face en l'air. Là je perdais un peu la tête, je ne comprenais pas. J'ai voulu quand même revérifier. Et là, comme par magie, les quatre cartes s'étaient retournées face en l'air. Alors pendant un instant, je réfléchis. Et soudain, dans ma tête, une petite voix me dit « Retourne les cartes, car la vie est en couleur. » Enfin, c'est hallucinant, ça veut rien dire, quoi. Et elle répéta « Retourne les cartes, car la vie est en couleur. » Retourne les cartes. Ouais, c'est aberrant. Et je retourna les cartes. Et là, à ma grande stupeur, les cartes était coloré. Et je me dis, peut-être que la morale de cette histoire, c'est qu'il faut voir peut-être la vie en couleur. J'espère que cet effet vous a plu, car c'est un super effet, je trouve. Un effet, je le répète, de Daniel Rod. Voilà, il s'appelle Technicolor. Pour les passionnés, ben, vous le trouverez. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Likez, commentez, laissez-moi un petit commentaire s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Début 2023, je commence fort, certes. Courant cette année, il y aura pas mal de nouveautés, des choses vraiment géniales que je suis en train de travailler actuellement. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter. Allez, ciao les amis, bye bye.